Cet alphabet s'appelle Glagolitic. C'est l'alphabet qu'ont créé les moines Kuril et son frère Méthode. Ils étaient des grands savants d'origine grecque, mais ils habitaient à Thessaloniki. À Thessaloniki, on parlait slave. Et c'était l'ancienne slave qui était commune pour toute la région. La langue slave n'était pas divisée en de différentes langues slaves qu'on connaît maintenant. Et au moment où ces pays-là, la Tchèque, les Slovaquie, les Macédoniens, cette région voulait se christianiser, on avait besoin d'une langue qui reflète le plus possible, qui est très proche du son du slave, parce que dans le grec, dans les autres langues, il n'y a pas on, un, ch, s, ch. Et on a choisi, les frères Kuril et Méthode, de faire cet alphabet. Et ils étaient moins, ils étaient fidèles à l'appel de Saint Paulus, que tous les peuples du monde doivent comprendre le mot saint, et pas écouter quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi ils ont fait l'alphabet Glagolitic. Et c'était un alphabet sacré, parce que c'était construit, concipé pour l'Église, mais en même temps, c'était une langue, voilà, la langue que les gens comprenaient. C'était un peu plus haut, la langue un peu plus littéraire, mais ça se comprenait des gens, et ils comprenaient ce qu'on parle dans l'Église. Et toutes les six